Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je fais la synthèse d'un livre sur les finances personnelles ou la bourse. Je résume donc des heures de lecture en quelques minutes pour que t'aies pas à le faire. Tout ça dans un vocabulaire accessible avec des exemples réalistes et transparents qui vont te permettre de mieux comprendre le monde financier si t'es débutant dans le domaine ou plutôt de réfléchir à tes stratégies actuelles si tu navigues déjà dans ce domaine-là. Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 38e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « La retraite à 40 ans » écrit par Jean-Sébastien Pilote en 2020. Donc, Jean-Sébastien Pilote, c'est un auteur du blog. En fait, c'est l'auteur du blog Jeune retraité. Honnêtement, je me sentais comme au secondaire quand j'ai lu ces livres-là à mettre du marqueur presque aux deux pages. Donc, je surlignais un texte tout en jaune quand j'étais au secondaire d'un examen de lecture. C'était écrit souligner ce que vous trouvez important pour répondre aux questions. Moi, tout le texte était tout le temps en jaune. Donc, je me suis vraiment senti comme au secondaire quand j'ai lu ce texte-là parce que je pliais toutes les pages, je mettais des petites notes partout. Il est super intéressant puis je suis vraiment surpris parce que je l'ai lu un peu plus tard, ce livre-là. Parce que le titre m'attirait pas. Donc, la retraite à 40 ans, c'est pas un titre qui m'attirait parce que c'est pas dans mes objectifs. Et je me disais que j'avais déjà entendu ses propos deux, trois fois en podcast, puis j'avais pas capoté sur le personnage. Donc, quand je l'écoutais en podcast, je le trouvais, pas fade, là, mais je trouvais qu'il répétait des choses que j'avais déjà lues. Donc, je me disais, j'ai pas besoin de lire son livre. Par contre, j'ai lu son livre, puis j'ai vraiment capoté. Je trouve que c'est un des livres que je vais suggérer aux gens qui commencent à s'intéresser aux finances. Pas parce qu'il va dans des endroits différents de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais vraiment parce qu'il touche à presque toutes les bases qui me semblent essentielles pour quelqu'un qui souhaite commencer à prendre en main sa santé financière, mais aussi parce qu'il part vraiment des exemples de sa vie. Puis bien que le livre soit axé sur la retraite de façon hâtive, là, donc à 40 ans, il y a plein de choses là-dedans qu'on peut réinvestir, même si c'est pas un de nos objectifs de prendre sa retraite. Donc, premier élément de synthèse, puis avant de commencer, je vous préviens, je regarde ma planification d'épisode, là, mes mots-clés, puis je pense que j'ai beaucoup de mots-clés. Donc, ça se peut que l'épisode soit un peu plus long, comme ça a été le cas avec les épisodes 35 et 36 avec le livre d'Éparé McSween et celui de Christian Giraud. L'auteur croit que nos habitudes de consommation boulimiques, donc on consomme beaucoup, puis notre analphabétisme financier, c'est bon, j'ai réussi à le dire sans trop me planter, c'est deux choses, donc notre consommation puis notre manque de connaissances par rapport aux finances nous maintiennent dans un mode de vie qui juge insensé et dans une course folle qui est centrée sur le travail. Pour lui, le travail, c'est pas mal, on peut s'y épanouir, mais il faut aussi s'assurer d'être libre dans ce choix-là. Il utilise le mot « rat race », donc la course du rat, puis il l'utilise souvent dans son livre, puis il dit qu'en fait, puis c'est un terme utilisé beaucoup également dans le mouvement FIRE, là, les gens qui veulent prendre leur retraite tôt, qui veulent quitter cette « rat race-là ». Donc la « rat race », c'est qu'on court à toute vitesse dans une roulette, sans jamais vraiment avancer, puis pour lui, la « rat race », c'est le cadran sonne, tu vas dans le trafic, tu prends ton café Tim, tu vas à des réunions insignifiantes, pour avoir des discussions futiles, tu retournes dans le trafic, tu écoutes la télé, tu vas te coucher. Donc, il dit que cette comparaison-là est même désobligeante pour les rats. Il souligne que l'argent, c'est la première cause de stress chez les Québécois, plus que le travail, que la famille et la santé, et que 20% des ménages qui gagnent entre 100 000 et 150 000 $ par année disent ne pas avoir le contrôle sur leurs finances. Selon lui, on a suffisamment d'argent au Québec pour que ce soit le dernier de nos soucis, mais notre incompétence financière nous bâillonne. Donc, l'exemple de donner le volant à la Formule 1 à un ado de 17 ans qui vient d'avoir son permis, mais c'est la même chose, pour lui, c'est la même chose d'avoir autant de crédit dans les mains quand on est un adulte illettré financièrement, ça risque de mal finir. L'auteur observe des comportements illogiques, par exemple, des étudiants qui s'endettent pour avoir une première voiture, des couples qui se mettent à la gorge pour une maison qui appelle une maison trophée, un couple qui se construit une piscine creusée alors que le régime épargne-études enregistré de ses enfants est vide, de leurs enfants est vide, et les gouvernements qui empilent les déficits pour plaire aux électeurs. Au final, on est la somme de nos choix. Donc, si on travaille autant, c'est parce qu'on a fait des choix avant, qu'on a décidé avec notre quête matérielle insatiable qui nous enchaîne au marché du travail, on a décidé de travailler pour se payer du matériel qui peut-être nous rend heureux, mais peut-être pas toujours. Pour ce premier point-là, je dois avouer que je suis assez d'accord avec l'auteur. Je pense que c'est important de prendre en main ses finances puis d'arrêter de dépenser inutilement, de fermer un peu le robinet de la dépense là, pour reprendre le contrôle et ouvrir le robinet seulement pour des choses qui nous semblent essentielles et qui nous rendent vraiment heureux. Et pour ça, chez la plupart des gens, ça nécessite d'avoir un budget.
Le deuxième point, c'est l'histoire de l'auteur, parce que je pense que c'est important de la connaître pour comprendre le prochain point qui va suivre, qui sont les étapes vers la liberté financière. Donc, l'auteur raconte son histoire, puis il dit pas que c'est pour... il dit pas qu'il la raconte parce qu'elle est spectaculaire, mais justement parce qu'elle est banale. Donc, pour lui, l'enrichissement logique est banal et à long terme. Et l'investissement passif en DCA, notamment, là, lorsque vous mettez le même montant à chaque mois, ben c'est plate, mais c'est efficace. Mais c'est contre-intuitif, parce que d'habitude, pour réussir, il faut mettre des efforts, puis c'est le contraire ici, il faut surtout se retenir de faire trop de choses. Donc, pour lui, la liberté financière est atteignante pour le commun des mortels. Le chemin, il est pas aisé, mais pour lui, c'est à la portée d'une majorité de Québécois. Il dit que c'est pas un expert, c'est juste un gars qui a trouvé une porte de sortie vers la liberté, puis qui partage son expérience avec nous. Donc, je vous souligne maintenant les grandes lignes de son parcours. Ses parents à lui, donc à Jean-Sébastien Pilote, ont été des modèles de frugalité, donc ses parents ne dépensaient pas pour rien. Donc, il y a eu quand même des modèles significatifs de ce côté-là. Lui, il se trouvait frugaliste, mais il s'est identifié comme un frugaliste du dimanche plutôt quand il a rencontré sa conjointe qui est d'origine vietnamienne, qui, elle, est vraiment une fourmi. Donc, lui, il disait que c'était une cigale, finalement, une cigale nord-américaine de banlieue qui a connu une seule guerre, celle des tucs. Donc, quand il a rencontré sa conjointe, il s'est rendu compte qu'il était vraiment dans la ouate, puis qu'il avait un laisser-aller financier comme la plupart d'entre nous, en fait, en Amérique du Nord. Quand on commence à voyager, c'est vraiment des choses qu'on se rend compte qu'ici, notre style de vie est vraiment outrageusement lié à la surconsommation puis à l'abondance. Ça n'a aucun sens quand tu vas dans d'autres pays, comment tu te rends compte des fois qu'on est malheureux, puis ça n'a pas rapport le bonheur puis l'argent, mais qu'on a tellement de choses ici puis qu'on s'en rend pas compte, puis qu'on veut toujours en avoir plus quand même. Bref, lui, il dit que c'était toujours pogné le bain à l'école, mais là, avec sa conjointe, il s'est pris en main. Il a obtenu son diplôme universitaire sans avoir aucune dette en habitant chez ses parents. C'est sûr, ça aide, mais pour lui, c'est encore une question de choix. Ça a été un choix sensé pour lui de rester chez ses parents pour éviter d'avoir des dettes. Moi, personnellement, c'est pas le choix que j'ai fait. J'ai déménagé dès que j'ai pu, pas parce que je m'entendais pas bien avec mes parents, mais surtout parce que j'avais ce besoin de liberté, d'autonomie-là, en déménageant de Québec à Sherbrooke. Donc, il commence sa carrière de 9 à 5 en marketing dans une compagnie de communication web et découvre un monde étrange où les workaholics n'en font jamais assez, où les paresseux ont l'impression de toujours en faire trop et où être débordé est une vertu. J'ai adoré ce bout de phrase-là où être débordé est une vertu parce que c'est vraiment en lien avec moi encore ce sentiment parfois, même si j'ai une vie équilibrée, je viens d'un milieu, donc l'enseignement universitaire, où c'est un milieu où la performance est vraiment mise de l'avant. Donc, quand tu dis que t'es dans le jus, c'est comme bien vu. On a l'impression que tout le monde doit être dans le jus. Puis moi, ben j'ai une vie équilibrée. Le travail occupe une partie de ma vie, mais j'ai des amis, des loisirs, d'autres passe-temps autour du travail. Et il y a une semaine, il y a une collègue qui m'a dit qu'elle était dans le jus, puis j'avais une semaine plutôt relaxe à ce moment-là. Je veux dire, j'avais joué au tennis deux matins dans la semaine. J'avais travaillé un petit peu le soir pour compenser. Mais tu sais, ça allait bien. Puis quand elle m'a dit qu'elle était dans le jus, j'ai vraiment eu le réflexe de lui dire hey, « moi aussi, tu sais, j'ai plein de choses en cours. » Puis finalement, j'ai juste dit « ben non, moi ça va, tu sais. » Mais juste de dire ça, il a fallu que je combatte mon réflexe de faire semblant que j'étais dans le jus. Donc, on est vraiment dans une société où parfois, travailler plus, ou dans certains milieux peut-être c'est plus le cas, là, mais travailler plus ou être workaholic, c'est bien vu. Puis je pense que la génération qui nous suit, tu sais, ceux qui m'écoutent, qui sont à la vingtaine, je pense que c'est peut-être pas votre vision nécessairement du travail. Puis tant mieux si vous êtes capable d'avoir un mode de vie plus équilibré que peut-être que moi ou la génération qui m'a précédé, ben on avait au travail. Donc pour l'auteur, son beau-père tombe un jour gravement malade, puis lui et sa conjointe prennent conscience qu'ils veulent voyager et vivre autrement qu'avec le 9 à 5. Il se rend compte, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'en voyageant, sa frugalité à lui représentait un excès d'abondance par rapport à plusieurs cultures et plusieurs pays dans le monde, puis que notre bonheur à nous reposait souvent sur des choses jugées futiles partout ailleurs dans le monde. Donc, des enfants nus qui se nourrissent dans les poubelles, des jeunes hommes qui débouchent des égouts remplis de caca à main nue pour une pièce par jour, qui s'apitoient pourtant pas sur leur sort. Donc, eux, ils bouchent jour après jour pour offrir seulement une vie meilleure à leurs enfants, alors qu'ici, ben, on a des besoins beaucoup plus grands. Ben, en fait, on se crée des besoins beaucoup plus grands. Donc, ils se rendent compte qu'ils mènent une vie rêvée. En fait, que plusieurs d'entre nous mènent une vie rêvée puis qu'on l'apprécie pas, on se plaint le ventre plein. Il devient donc dégoûté du jour au lendemain du mode de vie nord-américain de surconsommation. Toutes les voitures, les poubelles, les grosses maisons. On consomme, puis il dit qu'on consomme comme si on était seul au monde, en fait, puis il trouve que ça, c'est honteux. Il revient donc de ces voyages-là, puis son niveau de frugalité bien, augmente encore beaucoup. Donc, il passe à un autre niveau, puis il se concentre sur ses besoins véritables. Moins il en possède,
plus il commence à se sentir léger. Donc, au lieu d'une voiture neuve à des frais totaux à peu près de 7 000 $ par année, ben, il prend une voiture usagée qui lui coûte à peu près 2 000 $ par année, puis il voyage un mois par année avec le 5 000 $ qu'il a épargné, puis il en met également de côté en même temps pour la retraite. Donc, ses besoins véritables à lui, c'est vraiment voyager. Au lieu de dépenser pour le club, d'écouter le football, ben, il va voir plusieurs parties de football en personne, live. Au lieu de manger du fast-food tous les midis avec ses collègues, ben, il va manger aux meilleures tables de la ville avec sa conjointe. Donc, il fait vraiment des choix en fonction de ce qui, lui, le rend heureux. Puis en 2006, ben, son rêve est brisé par un banquier qui dit que ça va lui prendre 1 000 000 chacun. Donc, 1 000 000 chaque, donc 2 000 000 au total pour pouvoir prendre la retraite. Il sait maintenant, au moment d'écrire le livre, que c'est faux puisque ses estimations sont pour une personne normale avec des dépenses élevées selon ses revenus. En 2008, avec le tsunami financier qu'il y a eu avec la crise financière, il a perdu 50% de ses actifs. En 2008, il avait 30 ans. À 39 ans, il est quand même rendu à la retraite. Donc, 9 ans plus tard, donc il a pris sa retraite, lui, en 2017. Ça montre que le long terme, c'est important, qu'il ne faut pas paniquer en bourse. Donc, lui, il visait le mouvement FIRE, donc prendre sa retraite plus tôt. Donc, il épargnait 50% de son salaire, puis investissait le reste de façon passive et il patientait. Selon lui, si tu fais ça, si tu épargnes 50% de ton salaire, tu l'investis de façon passive et tu patientes, tu vas pouvoir prendre ta retraite en 18 ans, peu importe ton salaire, parce que c'est plutôt basé sur tes dépenses et non sur ton salaire. Il dit que tout le monde autour d'eux était négatif par rapport à leurs projets, leurs amis, leur famille, les collègues, les médias. Donc, c'était la métaphore du panier de crabes. Même si chacun des crabes dans un panier peut s'échapper facilement, le groupe va s'assurer de maintenir les crabes emprisonnés. Donc, si tu essaies de te sortir du panier de crabes, l'autre va te tirer. Donc, c'est un petit peu le sentiment qu'il avait avec les détracteurs de son projet, c'est-à-dire, ben, on dirait qu'ils ne me laissent pas sortir vers ma liberté, ils veulent me garder avec eux dans leur routine 9 à 5 à eux, leur surconsommation, alors que lui voulait s'en échapper. Mais lui, ses détracteurs l'ont plutôt motivé à s'extirper du groupe et à sortir du panier et l'ont pas empêché de poursuivre son objectif. Il a fait un sprint final, lui, pour augmenter, en fait, prendre sa retraite plus vite. Il a réussi à augmenter son taux d'épargne à 60%, alors que la moyenne en ce moment, au moment qu'il écrivait le livre dans la population québécoise, était de 6%. Je pense que ça a beaucoup diminué même depuis l'écriture du livre. Il a ensuite quitté son travail à 39 ans. Les collègues pensaient pas que ça allait être vrai. Ils pensaient qu'elle allait revenir dans quelques mois parce qu'elle allait manquer d'argent. Il y a un plus vieux collègue à son travail qui a dit qu'il était trop tard pour lui, mais qu'il va s'assurer que sa fille lit son blog pour pas faire les mêmes erreurs. Puis ben ça l'a touché l'auteur parce que derrière les moqueries puis les gens qui disaient ben moi ça m'intéresse pas, il y a peut-être quand même une certaine prise de conscience qui s'est faite. Puis ça montre que la surconsommation, ben c'est pas incurable. Ça peut vous pouvez changer vos habitudes de consommation. Il nous suggère de vivre comme si c'était le premier jour de notre vie puis pas le dernier. Donc vivez comme si vous aviez toute la vie devant vous. De toute manière, c'est souvent le cas. On va souvent vivre à 80 ans. On a plus de chances de vivre jusqu'à 80 ans que de vivre jusqu'à 45. Assurez-vous donc d'être heureux, mais d'être heureux pour longtemps. Lui ne semble pas vraiment aimer travailler. Son travail avait l'air vraiment de pas l'apprécier. Moi, c'est pas mon cas. C'est peut-être pas votre cas non plus. Peut-être certains d'entre vous, en effet, voulaient changer d'emploi. Moi, mon emploi est stimulant. Il y a un bon revenu. Il faut toutefois vous fixer des objectifs financiers. Donc, peu importe que vous aimez ou non votre travail, je pense que c'est important de pas vivre au-dessus de vos moyens parce qu'un jour, peut-être que vos objectifs vont être différents de ceux que vous avez présentement. Donc, pour terminer ce deuxième point-là, il dit que l'argent, c'est un levier vers la liberté si on sait l'utiliser comme il faut. Le prochain point, c'est les étapes vers la liberté financière. Donc, c'est vraiment le cœur de la synthèse d'aujourd'hui. Quand j'ai lu le livre, l'auteur présentait en fait un guide un peu. Voici les étapes à suivre pour réussir à prendre ta retraite de façon hâtive. Et au début, j'ai essayé de cibler les étapes pour faire 5 points à partir des 5 étapes que je trouvais les plus importantes, mais je trouvais que je perdais la vue d'ensemble du processus. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé le point « Les étapes vers la liberté financière » pour vous résumer l'ensemble des 15 étapes en un seul point. Donc, ça va être un gros point. J'ai essayé de vous accompagner dans celui-ci, mais peut-être vous allez avoir besoin peut-être de le réécouter si c'est quelque chose vraiment qui vous intéresse de... Pas nécessairement juste prendre une retraite de façon hâtive, mais aussi d'améliorer vos habitudes de consommation puis vos habitudes financières. Donc, l'étape 1, c'est devenir le PDG de sa vie. L'auteur mentionne que la croissance des dépenses est 2 fois plus rapide que celle des revenus depuis entre 1990 et 2008. En 2019, les Québécois étaient les champions de l'insolvabilité au pays. Les jeunes ne sont pas en meilleure posture, ils utilisent leur téléphone à 800 $ avec un forfait mensuel de 70 $ pour voir qu'ils ont finalement 40 $ dans leur compte. Ça, c'est l'auteur qui dit ça, bien sûr, ça vient pas de moi.
La première étape, donc celle de devenir le PDG de sa vie, selon l'auteur, c'est la plus déterminante. Faut avoir la volonté de prendre en main ses finances. Où va votre argent? Quelles sont vos dépenses? Quel est votre avoir, votre actif net? Selon lui, le budget est l'allié indispensable pour répondre à ces questions-là. C'est similaire à une personne qui va courir, mais qui s'entraîne pour un marathon, mais cette personne-là va mesurer ses performances grâce à un chronomètre, et vous devez faire la même chose avec vos finances, vous devez mesurer vos performances avec un budget, parce que vous, votre marathon, c'est peut-être votre liberté financière. Donc l'enrichissement, c'est pas un sprint, c'est un marathon, et le budget peut vous aider à l'atteindre, mais en fait à réussir à atteindre votre objectif. Le budget, c'est pas de la physique nucléaire, faut juste voir où va l'argent qui sort de vos poches et combien d'argent rentre dans vos poches chaque mois. C'est juste d'indiquer le revenu net moins les dépenses dans un chiffrier Excel ou un autre document disponible en ligne gratuitement, il y en a un peu partout. Le budget, c'est pas un outil de contrôle des dépenses, c'est juste une photo. Le contrôle des dépenses doit se faire au moment où vous sortez votre carte et pas à la fin du mois, mais ça peut permettre une prise de conscience. Donc, si tu te rends compte à la fin du mois que tu as plus dépensé que tu as gagné, ben peut-être que tu te dis, ben quand je sors ma carte de crédit pour payer, faudrait peut-être que je tourne ma langue ou que je réfléchisse, j'attende 7 minutes avant d'acheter le produit. Donc, tourner sa langue, ça n'avait aucun rapport avec avec ce point-là. Moi, vous le savez, j'ai pas de budget, mais j'ai mon bilan qui me permet de voir si je réussis à augmenter mon actif net. Donc, si je réussis à épargner plus que ce que je gagne à chaque mois, j'ai vraiment aucun problème de dépense. C'est plutôt l'inverse. Faut que j'apprenne à dépenser. Je crois donc que c'est essentiel pour la majorité des gens, le budget, surtout s'il vous reste jamais rien à la fin du mois. Mais dans ma situation, je ressens pas que c'est un besoin essentiel pour l'instant. L'auteur vous pose la question suivante, c'est quoi votre actif net? Donc, comme PDG de votre vie, vous devez être capable de répondre à cette question essentielle. Vous pouvez partir de mon exemple que j'ai fait dans les bilans, puis l'ajuster à votre réalité ou ajouter des lignes, enlever des lignes, mais vous devez connaître votre actif net, c'est la première étape vers votre liberté financière. L'auteur rappelle, comme je l'ai dit quelques fois, que l'actif net, c'est juste un chiffre sur du papier, ça définit pas qui vous êtes. La qualité d'un individu, selon lui, a rien à voir avec son compte en banque. Surtout que la vie est inéquitable. Certaines personnes vont débuter le marathon, ils vont partir une demi-heure avant tout le monde, ou ils vont être en limousine pour faire le marathon, alors que d'autres doivent courir 94 km juste pour atteindre la ligne de départ puis partir en même temps que les autres. Donc, on n'a pas de contrôle sur ces inégalités-là. On peut s'apitoyer sur notre sort ou bien essayer d'améliorer notre sort, justement, un pas à la fois, 1% à la fois, comme on a vu avec le livre Atomic Habits, en se concentrant sur les choses que vous contrôlez. Donc, l'étape 1, c'est de devenir le PDG de sa vie, donc de connaître ses chiffres. Deuxième étape, c'est de chiffrer sa liberté. Donc, tu connais maintenant ton point de départ, c'est quoi ton actif net, ton budget, tes dépenses, mais c'est quoi ton point d'arrivée? C'est quoi le montant que tu as besoin pour être financièrement indépendant? L'auteur revient un petit peu avant sur la notion de richesse, donc pour lui, c'est pas le matériel, mais c'est le nombre de jours pendant lesquels tu peux maintenir ton mode de vie sans travailler. Pour lui, c'est ça la vraie richesse. Donc, si tu as 20 000 $ puis que ça te coûte 5 000 $ par mois, ben tu as 4 mois de richesse. La richesse pour lui se calcule donc en temps et non en dollars. Jean-Sébastien Pilote utilise la règle du 4%, donc le montant des dépenses annuelles fois 25. Donc exemple, si tu as 30 000 $ de dépenses annuellement, mais tu auras besoin de 750 000 $ pour te considérer libre. Attention, dans le prochain épisode, justement l'épisode 39, je vais parler de la règle du 4% qui est peut-être dangereuse selon une vidéo YouTube de Ben Félix, mais on va en reparler la semaine prochaine. Cette règle est basée sur des rendements moyens de 7% puis une inflation de 3%, donc on voit bien présentement que c'est pas toujours le cas. Donc l'auteur suggère, si vous êtes un peu plus frileux ou prudent, vous pouvez plutôt utiliser une règle du 3%, donc au lieu de prendre vos dépenses annuelles x 25, vous faites x 33. Donc selon lui, la règle du 3% a 100% de succès, donc ça semble correct, alors que le 4% a un taux de succès de 87% si vous prenez une retraite pendant plus de 40 ans. Donc, si vous prenez votre retraite à 40 ans, rendu à 80%, la règle du 4%, selon lui, a seulement un taux de succès de 87%. À première vue, votre montant peut sembler inaccessible, donc 750 000 $, ça peut sembler gros, mais ne pas oublier que la puissance des intérêts, ben, des rendements composés va vous aider, mais il faut commencer le plus tôt possible. Ça dépend du moment aussi. Avoir 100 000 $ pendant 3 années exceptionnelles est un meilleur timing que d'avoir 1 000 $ pendant 3 années exceptionnelles. Ce que je veux dire, c'est... Si vous investissez 100 000 $ pendant 3 ans puis que la bourse fait des 30% de rendement, c'est sûr que c'est plus fun que si vous avez profité de ces 3 années-là, comme c'était mon cas quand j'investissais 1 000 ou 2 000 $ par année seulement, alors que maintenant j'en investis 20-25, mais les rendements sont un peu moins intéressants depuis 2-3 ans. L'étape 3, c'est imaginer son évasion. Donc, quelles sont tes priorités? Si tu réponds santé, bonheur, amour, famille comme tout le monde, ben sache qu'on passe en moyenne 50% de nos heures d'éveil au travail, 23% devant la télé,
19% sur les réseaux sociaux. Il reste donc environ 10% pour ce qui vous semble réellement important. Donc l'auteur pose la question qui tue, est-ce que vous passez à côté de votre vie? L'auteur donne l'exemple d'un frugaliste qui pourrait avoir 18 000 de dépenses par année, travailler comme saisonnier à peu près 6 mois par année puis passer l'hiver dans un pays chaud. Sinon, ça peut être un autre exemple, un travailleur autonome qui travaillerait seulement 3 jours par semaine pour se concentrer sur le reste. Donc la liberté financière, c'est pas juste prendre sa retraite jeune. Chacun peut avoir un chemin différent selon ses objectifs et ce qui le rend vraiment heureux, encore une fois. L'objectif, c'est l'étincelle du changement. C'est quoi le vôtre? Il rappelle l'objectif SMART, donc il faut qu'un objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Mais si à l'étape 2, on chiffrait c'est quoi le montant qu'on a besoin, à l'étape 3, vous devez imaginer qu'est-ce qui vous rend heureux. Ensuite, à l'étape 4, ben c'est exploiter la faille du système. Donc selon l'auteur, pour s'enrichir, il faut maximiser ses revenus et diminuer ses dépenses. Donc l'écart entre les deux, c'est ce qui va vous amener la richesse. C'est simple, mais plusieurs personnes cherchent pourtant des solutions miracles qui mènent souvent à vous faire avoir, vous faire escroquer puis à perdre de l'argent. Donc selon lui, le système a vraiment une faille, la sous-consommation. Tu pourrais avoir un actif net de millions de dollars, donc tu pourrais avoir des millions en banque dans ton actif net en termes d'investissement. Si tu dépenses pas beaucoup puis que tu as seulement 25 000 dollars de revenus que tu te payes à la retraite, tu pourrais passer sous le radar et le gouvernement va même te considérer pauvre, tu vas peut-être profiter de soutien financier du gouvernement. Ça demande toutefois de la volonté, donc l'auteur dit que ton ami va peut-être arriver en BMW qui lui coûte 15 000 $ par année, il va se faire remarquer pas mal plus que toi qui arrive en Corolla qui te coûte 3 000 $ par année, mais t'investis pourtant le 12 000 $ de différence chaque année dans ton CELI et ton REER. Comme société, c'est quoi le comportement qu'on devrait valoriser? Selon moi, c'est plus les habitudes financières saines plutôt que la BMW, mais bien sûr, ça c'est une position personnelle et c'est la position de l'auteur, vous comprendrez également. Donc bref, il dit que épargner et investir, c'est un comportement qui passe souvent inaperçu, qu'on fait pour soi et il faut se valoriser autrement que par le regard des autres lorsqu'on emprunte ce chemin-là. Il donne un exemple du 4% puis l'impact de diminuer nos dépenses. Donc, il donne l'exemple d'un pâtissier qui gagne 40 000 $ net avec 30 000 de dépenses. Si ce pâtissier-là réussit à diminuer ses dépenses de 30 000 à 20 000 $ au lieu de prendre sa retraite dans 32 ans, il va la prendre environ dans 17 ans. Donc, c'est presque la moitié moins de temps pour atteindre la retraite en ayant diminué ses dépenses de 30 000 à 20 000 $ Donc, cet auteur-là est vraiment centré davantage, pas sur les revenus, mais davantage sur les dépenses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ses dépenses? Il parle du taux d'épargne dans cette étape-là. Donc, le montant, vous devriez connaître votre taux d'épargne et pour ce faire, vous devez prendre le montant épargné et le diviser par votre revenu net. Donc, si vous gagnez 40 000 et que vous épargnez 10 000 $ votre taux d'épargne est à 25%. Plus haut est votre taux, selon lui, plus proche est votre liberté financière parce que le moment de la retraite ne repose pas sur vos revenus, mais bien sur vos dépenses, comme on vient de dire. Donc, quelqu'un qui gagne 300 000 avec 250 000 $ de dépenses va prendre sa retraite plus tard qu'une personne qui gagne 40 000 $ mais avec 20 000 $ de dépenses. Donc, c'est vraiment votre taux d'épargne, mais en fait, vos dépenses et votre taux d'épargne qui vont déterminer quand vous allez pouvoir prendre votre retraite ou, si on oublie la retraite, quand vous allez être libre financièrement de faire ce que vous souhaitez faire dans la vie. L'étape 5, c'est devenir rebelle. Donc maintenant, rendu à cette étape-là, vous avez normalement un budget, vous avez une idée de vos dépenses, une idée de vos revenus, vous connaissez votre actif net et vous connaissez votre taux d'épargne. Vous connaissez aussi le montant de votre liberté, c'est quoi le montant que ça vous prend. Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action maintenant? Si vous arrêtez à l'étape 4, donc l'étape précédente de calculer votre taux d'épargne, vous allez avoir un portrait de votre situation, mais il n'y a rien qui va s'améliorer. Donc, à partir d'étape 5, on commence à agir. L'auteur dit que pour améliorer votre taux d'épargne, atteindre un taux d'épargne élevé, il faut être carrément rebelle et aller à contresens des autres puisqu'on est dans une société de surconsommation. Il dit qu'un vrai rebelle ne laisse pas la consommation le définir. L'étape 6, c'est vivre comme un millionnaire. Donc, l'auteur dit que les riches qui ont bâti eux-mêmes leur richesse ont énormément de respect pour l'argent. Pour eux, un dollar va toujours être un dollar. Comme on l'a vu dans le livre de Nicolas Bérubé ou de Thomas Stanley dans le dernier épisode, les riches, c'est pas nécessairement des personnes qui vont flasher avec des voitures de sport ou des cigares cubains qui vont brûler de l'argent. Les gens qui vont faire semblant, qui vont essayer d'avoir l'air riche, bien souvent vont faire ces comportements-là. N'oubliez pas que les millionnaires, c'est pas ceux qu'on croit. Ils vont souvent se fondre dans la masse et vont souvent être autant ou plus frugaux que la moyenne des gens. L'auteur rappelle que la recette pour devenir millionnaire est ennuyante, donc c'est épargne, plus investissement, plus temps. Donc, épargnez, investissez et soyez patient.
L'auteur dit qu'idéalement, il faudrait épargner 50% de son revenu net. On s'entend que c'est pas à la portée de tous, puis ça, ça prend... En fait, il faut faire des choix pour atteindre ce taux d'épargne-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne l'exemple que si quelqu'un investissait 15$ par jour depuis sa naissance avec, bon, une hausse égale à l'inflation, ça prendrait 52 ans à atteindre le premier million, mais ça prendrait seulement ensuite 8 ans pour atteindre 13 millions. Donc, ça montre vraiment, encore une fois, que le temps est un allié et les rendements composés, bien sûr, avec la patience et le temps. Septième étape, c'est hacker son budget. Donc, il dit qu'il y a un coût de renonciation. Donc, à quoi on renonce quand on fait un choix? Exemple, est-ce qu'on veut faire un voyage, mais il faudrait peut-être s'acheter un manteau de moins ou plusieurs manteaux de moins? Est-ce qu'on voyage ou on va dans le régime épargne-études enregistrées des enfants? Donc, chaque choix qu'on fait a un coût de renonciation qui est associé. L'auteur donne l'exemple de Marc qui dépense 20$ par semaine au 6,49. S'il avait investi ce 20$-là, en 30 ans, il aurait accumulé 106 000$ environ. Est-ce que vous achèteriez un billet à 106 000$ pour avoir la très mince chance de gagner 1 million? Sûrement pas. Donc encore une fois, c'est un choix. On investit dans un billet en espérant gagner alors qu'on sacrifie 106 000$ en même temps. L'auteur parle d'épluchette de budget, donc d'optimiser les dépenses grâce au budget. Si le chemin vers votre liberté financière est un 42 km, la moitié du parcours serait cette étape-là selon lui. Donc, la moitié de votre parcours vers la liberté financière, pour lui, repose dans l'épluchette du budget. Il aborde certains postes budgétaires, notamment le téléphone. Donc, est-ce que c'est des données? Est-ce qu'avoir autant de données est essentiel? Pourquoi? Donc, lui, son forfait, il dit qu'il lui coûte 13$ par mois. Ça lui permet d'épargner environ 900$ par rapport au coût moyen que les gens... des forfaits moyens des gens. Il dit pouvoir ainsi lever les yeux sur le monde réel et garder son argent dans ses poches parce que lui, il dit qu'il n'y a pas de données sur son téléphone. Il l'utilise quand il y a du Wi-Fi de disponible. Bon, il se questionne, est-ce que vous avez besoin du câble? Est-ce que vous avez besoin du gym? En fait, est-ce que vous allez au gym? Parce que moi, je suis pas d'accord. Si vous êtes inscrit au gym puis que ça vous motive puis que ça vous garde en santé, pour moi, c'est parfait. Mais si vous n'y allez pas, ben là, peut-être que c'est une dépense inutile. Avez-vous différents abonnements avec la télé, avec des revues que vous n'utilisez pas? Avez-vous une consommation d'alcool excessive, des produits de luxe qui sont souvent, c'est drôle, mais l'auteur dit que les produits de luxe sont souvent plus destinés aux personnes pauvres qui veulent avoir l'air riche. Il parle aussi de l'épicerie. Il dit qu'au début des années 2000, les gens passaient en moyenne 2h30 par jour pour préparer les repas, alors qu'aujourd'hui, c'est 8 minutes. Donc, on délaisse la cuisine pour se consacrer à des tâches beaucoup plus nobles, soit de regarder des photos de plats gastronomiques sur notre cellulaire ou sur Instagram. Donc, il dit que le budget est notre tour de taille et cop parce que si on cuisinait mieux ou plus longtemps, on mangerait souvent plus santé, ça coûterait moins cher. Il parle également des assurances, des voyages. Pour lui, s'endetter pour voyager, c'est un non-sens. Et pourtant, lui, c'est un grand voyageur. Il voyage à chaque année. Pour lui, voyager, c'est un luxe. Faut pas se le payer à crédit. Et il donne des trucs pour voyager moins cher, mais je les ai pas énumérés, je les ai pas pris en note, en fait, quand j'ai lu le livre. Enfin, il parle des jeux de hasard, que ça peut gruger un budget. Donc, l'objectif, c'est pas de tout effacer vos dépenses, mais de cibler les dépenses qui ajoutent en rien à votre bonheur et de les enlever. L'étape 8, c'est rompre avec son auto. Donc, pour lui, c'est le poste de dépense qui est souvent très élevé et souvent pour rien. Il y a un collègue qui lui avait dit que le trajet aller-retour dans sa voiture, c'était le meilleur moment de sa journée parce qu'il bûchait au travail puis que le matin et le soir, c'était la bouffe, les devoirs, les enfants, les bains. Ben, l'auteur dit que c'est assez révélateur de ton niveau de bonheur collectif si les plus beaux moments de ta journée, c'est quand t'es dans le trafic. Je dois avouer que maintenant que j'écoute beaucoup de podcasts, ça me dérange pas tant d'être pris dans le trafic, mais c'est pas non plus le moment le plus heureux de ma semaine. L'auteur dit que le coût réel d'une voiture, c'est entre 18$ pour une Corolla et 50$ pour un Range Rover. Donc, oubliez pas que 15$ par jour, ça équivaut à 13 millions plutôt, sur 60 ans. Les gens investissent dans l'Auto-Québec pour gagner des millions, mais ne se rendent pas compte que leur auto est justement leur billet vers la liberté financière. S'ils faisaient des choix plus sains des choix plus raisonnables plutôt, avec leur voiture, ben, la différence qui était épargnée pourrait être investie, puis ça pourrait justement représenter leur liberté financière. C'est fou l'argent. L'auteur dit en fait que c'est fou l'argent qu'on dépense chaque jour pour aller travailler. 20$ pour l'auto, 3$ pour le café, 15$ pour le dîner avec les collègues, 10$ pour le parking, 5$ pour le billet de l'Auto-Québec. Ça fait beaucoup d'argent qui, si elle était investie, ben finalement, au lieu d'avoir un actif net de 50 000$, vous seriez peut-être déjà rendu à 450 000$. La neuvième étape, c'est de louer une habitation. Selon les statistiques de l'auteur, le rendement moyen de l'immobilier est de 4% entre 1986 et 2016, alors que le rendement boursier du SP500 notamment est de 7,6%. Donc la bourse est plus volatile,
mais offre de meilleurs rendements qu'une habitation. Là, il faut être prudent, les statistiques de l'auteur reposent sur une maison et non nécessairement sur des immeubles à revenus. Donc, tout ça revient à la suggestion que j'ai faite, ben, en fait, que l'auteur du livre que j'ai résumé dans l'épisode 8, Le Barbier Riche, faisait, c'est d'investir la différence que vous avez dans vos poches lorsque vous louez quelque chose, de l'investir au lieu d'acheter, et ça va être plus rentable à long terme. L'auteur dit que si vous perdez votre emploi, la maison ne permet pas de mettre de la nourriture sur la table, même si elle vaut 500 000 $. Vous devrez en plus vous endetter pour payer les taxes et l'entretien de la maison. Ce qui est intéressant dans le livre de Jean-Sébastien Pilote, c'est qu'il compare deux scénarios que je trouvais assez concrets. Le premier exemple, c'est en fait le premier scénario, c'est l'achat d'un condo, et le deuxième, c'est habiter en appartement. Donc l'auteur compare les chiffres pour voir à la fin avec lequel on se retrouve avec le plus d'argent dans les poches. Donc dans le premier exemple, c'est comme si vous achèteriez un condo à 350 000 $ avec un prêt hypothécaire de 2,5% sur 25 ans avec une mise de fonds de 5%. L'auteur ajoute des frais de démarrage, donc tu sais, frais de notaire, taxes de bienvenue, acheter des meubles, donc de 7 000 $, avec 25 000 $ de frais annuels. Donc dans les frais annuels, il inclut électricité, taxes municipales, hypothèques, tout ça là. Ça donne un total d'environ 260 000 $ sur 10 ans et un retour sur investissement de 280 000 $ après 10 ans si on vend le condo basé sur le rendement historique de 4%. Donc 280 000 moins 260 000 $, ça donne 20 000 $ de bénéfices sur 10 ans. Deuxième exemple, c'est si vous louez un appartement à 1 000 $ par mois avec une augmentation de 2% du loyer par année, mais que vous investissez à 7% sur le marché boursier, à 7% de rendement, votre mise de fonds et votre frais de démarrage dans le condo qui était de 7 000 $ et qu'en plus de ça, vous investissez la différence entre les frais annuels de 25 000 $ en condo qui sont plutôt à 13 600 $ en appartement avec le loyer, certains frais de démarrage également de 600 $ et tout ça, mais votre bénéfice net va être de 111 000 $ comparativement aux 20 000 $ en condo. Attention, il n'y a pas juste les finances dans la vie, même si vous retrouvez avec presque 90 000 de plus dans vos poches avec le deuxième scénario, il y a quand même des bons côtés à avoir un condo, une maison, soit de la qualité de vie ou pour certaines personnes, c'est de l'épargne forcée. On pourrait également refaire des calculs avec des chiffres différents, puis peut-être que la différence c'est moins grande. Mais attention de ne pas devenir esclave de votre bien immobilier. L'auteur fait vraiment l'éloge du logement, donc moins de responsabilité, c'est plus mobile, tu peux changer chaque année, c'est plus flexible. Mais il dit que lui, il a un condo. Donc il dit que c'est un cordonnier mal chaussé. Selon lui, il a acheté vraiment ça, il a vraiment acheté une aubaine. Donc lui, il a un condo, mais il dit que logiquement, avec les chiffres, c'est pas toujours avantageux d'acheter un condo ou une maison. Donc, avant d'acheter un bien immobilier en vous disant automatiquement c'est avantageux du point de vue financier, ben réfléchissez comme il faut aux chiffres, mais aussi peut-être que vous avez d'autres raisons d'acheter un bien immobilier, puis c'est bien correct, mais mettez les chiffres sur le papier, puis regardez c'est quoi la différence après 10, 15, 20 ans. Étape 10, fuir les dettes. Donc, l'auteur dit que les dettes freinent votre chemin vers la liberté financière. Il donne l'exemple notamment des dettes avec une voiture où tu achètes une voiture à 18 000 sur 96 mois de prêt. Puis après 4 ans, ben, tu veux changer, donc sa valeur est rendue à 11 000. Donc ça te coûte 7 000 $ juste pour briser ce contrat-là qui sera transféré sur ton prochain prêt qu'on appelle un prêt bulle, sur ton prochain achat de ta prochaine voiture. Donc vraiment faire attention aux dettes. Il dit qu'une marge de crédit hypothécaire, ça peut être bien pour investir, soit en immobilier ou sur le marché boursier, avec des actions à dividendes notamment, mais que c'est pas fait pour voyager ou pour rénover la maison. Pour vous en sortir si vous êtes endetté, l'auteur dit de couper votre crédit, de classer vos dettes de la pire à la moins pire au niveau du taux d'intérêt, de payer ces dettes-là dans l'ordre, de consolider les dettes au besoin, notamment avec une marge de crédit hypothécaire au besoin, et la dernière étape, de faire faillite. Je suis pas un expert, donc je vais juste vous dire ces cinq étapes-là selon ce que l'auteur écrit dans son livre. Enfin, il peut avoir des bonnes dettes, mais l'auteur dit que les bonnes dettes, les dettes qui peuvent aider à faire plus d'argent, sont réservées à ceux qui comprennent les risques et qui maîtrisent les dettes. Pour les autres, les dettes sont souvent une menace à leur santé financière. L'étape 11, il dit d'investir comme Buffett. Donc, si vous maximisez votre taux d'épargne, le plus difficile est fait selon lui. Ensuite, vous devez investir dans vos compétences et votre littératie financière d'abord. Une fois que c'est fait, que vous comprenez le marché boursier et l'investissement, bien, vous pouvez investir soit en bourse ou en immobilier. Selon lui, les deux voies sont bonnes, mais sont différentes. L'immobilier, c'est pas passif. C'est comme une petite entreprise avec des clients à satisfaire. Par contre, vous avez accès à l'effet de levier. Donc, vous pouvez faire
beaucoup plus rapidement d'argent avec le même 20 000 $ par exemple. Donc avec 20 000 $ en bourse, tu peux avoir accès à 20 000 $ d'investi, alors qu'en immobilier avec le 20 000 $ ben tu peux peut-être acheter quelque chose à 100 000 $ Donc ton rendement va être fait à partir d'un plus gros montant, à partir du 100 000 $ et non du 20 000 $ Par contre, la diversification est plus élevée en bourse selon l'auteur. L'implication est beaucoup moins élevée en bourse, c'est moins prenant. La liquidité est plus élevée en bourse, c'est plus facile d'avoir accès à ton argent. Mais bien sûr, il y a une plus grande volatilité également. L'auteur dit que l'immobilier permet d'avoir un plus grand contrôle, un plus grand effet de levier alors que c'est plus risqué d'avoir l'effet de levier en bourse. Et que l'impact fiscal est bon dans les deux, mais que tu peux réduire plus de dépenses avec l'immobilier alors qu'à la bourse, ben, tu as accès à ton CELI, ton REER, ton CELIAP, donc différents véhicules avantageux au niveau fiscal. Le coût de transaction est plus élevé en immobilier, donc avec 20 $ en bourse, tu peux commencer, alors qu'en immobilier, tu as besoin de plus gros montants. Le rendement, ben, ça dépend. La bourse offre un rendement intéressant, mais si tu gères bien tes immeubles, tu peux réussir à avoir un rendement plus intéressant qu'à la bourse, mais comme on l'a dit, ça prend un niveau d'implication un peu plus élevé pour gérer tes immeubles. L'auteur rappelle que les rendements composés, c'est la plus grande force de l'univers. Il parle des fonds indiciels qui sont le placement optimal, comme j'ai répété souvent dans le podcast. Ça nécessite moins d'efforts et c'est plus payant. Bravo, vous allez réussir en bourse si vous êtes paresseux. C'est plutôt rare, c'est le seul domaine et c'est plutôt contre-intuitif donc d'investir dans des fonds négociés en bourse. Attention, l'auteur dit que la stratégie est simple, DFNB, mais simple ne veut pas dire facile. Il y en a beaucoup qui vont paniquer lors des creux boursiers, qui vont vendre, donc faut voir le long terme. Les tendances sont souvent positives sur 5 ans, très souvent positives sur 10 ans et toujours positives sur 15 ans. Donc le marché boursier n'a jamais été négatif sur 15 ans. D'où la pertinence selon l'auteur d'avoir un conseiller financier si vous paniquez facilement ou bien tout simplement refaire votre profil de risque qui est disponible en ligne sur plusieurs sites et d'investir dans un FNB qui répond à votre profil de risque. Donc si vous avez un profil 60 actions, 40% obligations, bien d'investir dans un FNB qui reflète cette répartition-là. L'auteur dit qu'il y a d'autres options également autres que le conseiller qui peuvent coûter cher en frais de gestion. Vous le savez, on en parle assez souvent. L'option 1, c'est d'avoir affaire à un robot conseiller. Donc, le robot conseiller va pouvoir sélectionner un FNB qui répond à votre profil et il va automatiquement le rééquilibrer à travers le temps. Tout se fait automatiquement. Les frais sont plus faibles, donc c'est des frais de gestion, par exemple, de 0,5% sur Wealthsimple. Donc, les conseillers vont vous dire que le robot ne connaît pas vos besoins, mais c'est comme si vous demandez un taxi, si Uber, c'est un bon choix, c'est sûr qu'il va vous dire non. L'autre option, c'est de bâtir soi-même son portefeuille, soit d'ouvrir un compte de courtage, donc Questrade, Wealthsimple, Dysnat. Ensuite, de définir votre profil d'investissement. Ça, c'est super important. D'établir c'est quoi votre répartition, dans quoi vous voulez investir, quel montant, quand vous investissez. Est-ce que vous investissez à chaque fin du mois ou un peu n'importe quand? C'est important de le faire. Troisième chose, de choisir les titres dans lesquels vous voulez investir. Donc, ça peut être des FNB ou certains titres. Donc, exemple, VGRO qui est un produit de Vanguard qui a 80% actions, 20% obligations. Quand vous gérez vous-même votre portefeuille, vous devez vous assurer de rééquilibrer le tout selon le profil que vous avez établi. Et enfin, être patient. Donc, Buffett dit que le marché boursier, c'est un dispositif qui transfère l'argent des impatients aux patients. Le quotidien d'un investisseur n'a rien d'exaltant selon l'auteur. C'est relativement monotone. Donc, si vous êtes discipliné, vous allez toutefois avoir les moyens de trouver un passe-temps excitant parce que vous allez commencer à avoir beaucoup de sous dans votre actif net. Le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, ne pas essayer de timer le marché, de timer le market. Les plus grosses hausses arrivent sans que personne ne le sache, même les gens à Wall Street. Et l'auteur rappelle d'investir dans cette étape-là, d'investir comme Buffett, de se payer en premier. Douzième étape, profiter des paradis fiscaux. L'auteur utilise une citation qui entend souvent, soit « Les REER ont un meilleur rendement que le CELI ». Non. Le REER, le CELI, c'est des coquilles vides. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre la même chose dans les deux. Donc, tu peux avoir du Apple dans ton CELI et du Apple dans ton REER. Les deux vont avoir le même rendement. En gros, l'auteur dit que plus ton revenu est élevé, plus les REER sont avantageux. Il dit de ne pas brûler vos droits de cotisation au REER quand vous avez un faible salaire. Tu peux cotiser jusqu'à 18% de ton revenu chaque année, mais ces droits-là s'accumulent à travers les années. Puis je pense que le maximum, j'ai pas vérifié, là, mais de mémoire, c'est peut-être autour de 30 000. 27 000, 30 000. Donc, rendu à ce montant-là, tu ne peux plus cotiser dans ton REER, ben, tu as dépassé ton droit annuel de cotisation. Il donne l'exemple de Carl qui a, exemple, un salaire de 42 000 $
Il place 2 000 $ en REER. Il va recevoir un retour d'impôt de 550 $ selon sa tranche d'imposition. Mais s'il y a une fille de 5 ans puis qui est monoparentale, bien, il va en plus recevoir 120 $ de plus pour son crédit d'impôt de solidarité, 80 $ de plus pour son allocation canadienne, etc., etc., pour les frais de garde et tout ça. Finalement, l'auteur dit que il va recevoir 1 000 $ de retour sur son 2 000 $, donc c'est 50% de rendement sans effort. Le CELI, on a parlé souvent, là, donc le plafond chaque année, il y a un plafond chaque année à respecter, puis l'argent n'est pas imposable en le sortant du compte. Donc, contrairement au REER qui donne un retour d'impôt, ben le CELI, lui, n'est pas imposé à sa sortie, mais il n'y a pas de retour d'impôt. Les gens qui ont un faible revenu devraient, en général, prioriser le CELI avant le REER. En fait, c'est rare qu'on se trompe avec le CELI parce que si tu investis dans ton CELI, tu as déjà été imposé. Donc, si tu veux le mettre dans ton REER, tu as juste à sortir de ton CELI et le mettre dans ton REER. Alors que quand tu investis dans ton REER, ben, tu peux faire une erreur parce que ça se peut que ce n'était pas le bon moment d'investir dans ton REER selon ton salaire. Et là, si tu le sors, ben, tu es imposé peut-être à un taux d'imposition assez élevé, même si tu le mets dans ton CELI après. Donc, si vous hésitez dans quel compte investir, je vous dirais, de façon générale, vous ne pouvez pas vous tromper avec le CELI. Vous pourrez ensuite prendre d'autres décisions puis transférer des montants dans le REER, mais au pire, vous n'aurez pas fait d'erreur. Sinon, il parle également du REE, donc le régime enregistré d'épargne études. Donc, il dit que c'est le paradis fiscal des parents, ça combine les avantages des deux autres, soit une subvention de 30% quand investi, puis l'argent que l'enfant va retirer sera probablement pas imposé à cause de son salaire au moment où il va retirer l'argent. 13e étape, s'enrichir grâce aux enfants. Donc, il dit que les enfants, souvent, c'est l'excuse facile quand les gens sont pas capables de mettre de l'argent de côté. Il dit qu'on impute trop souvent le problème aux enfants. Donc, qu'on est fatigué, qu'on prend du poids, qu'on a moins d'argent, alors que ce sont nos choix comme parents. Si tu achètes toutes les bébelles que ton enfant demande ou tu l'inscris au privé, ben c'est pas mal ou bien de le faire, là, mais c'est ton choix, tu dois l'assumer, puis chiale pas après. Personnellement, avec les allocations puis le crédit d'impôt, je suis pas prêt à dire que mes enfants nuisent à ma liberté financière, au contraire. Si c'était le cas, je ferais des choix différents au niveau financier, mais c'est sûr que j'ai moins d'argent que si j'avais pas d'enfants, mais honnêtement, ça influence pas tant que ça le taux d'épargne que je suis capable d'atteindre. Je dois avouer aussi que je suis très frugal dans mes choix à moi, donc je me garde pas beaucoup dans la vie, mais je suis pas un papa très frugal avec mes deux petites filles. Mais c'est pas à cause de mes filles si je fais ces choix-là, puis que j'ai 1 000, 2 000 $ de moins par année peut-être à placer. C'est mes choix à moi, je les assume. Puis si j'étais pas capable d'investir un taux d'épargne adéquat, ben là je me poserais des questions, puis peut-être qu'il y aurait quelques sorties de moins, quelques jouets de moins ou quoi que ce soit. Il y aurait assurément moins de crème glacée, un petit peu, ce qui est une dépense assez importante dans notre famille. L'auteur, avec ses calculs, dit que en général, en moyenne, la moitié des dépenses qui sont liées aux enfants sont assumées par le gouvernement. Chez les couples frigo, c'est presque la totalité des frais. Je dois avouer que pour moi, je trouve que c'est plus que la moitié des frais que le gouvernement me rembourse par rapport à mes enfants. Donc, même pour les sports et tout ça. Donc, je trouve que ça coûte pas si cher. Avoir des enfants. Bien sûr, mes enfants ont 4 et 7 ans. Je comprends très bien qu'après, quand ils vont être plus vieilles, ça va coûter plus cher. Donc, je suis pas encore rendu là. Mais pour l'instant, ceux qui se questionnent si ça coûte cher avoir un bébé ou des jeunes enfants, ça coûte pas grand-chose, honnêtement. Donc, l'auteur vous invite à utiliser le régime épargne-études enregistré. Il dit que c'est gagnant-gagnant. Ça aide vos enfants plus tard pour leurs études. Puis en même temps, ben vous, ça vous évite d'avoir à sortir cet argent-là de vos poches quand eux vont être rendus justement à l'université ou dans une formation professionnelle. On lâche pas. Étape 14, il dit parasiter les banques. Donc, il dit qu'une famille moyenne a à peu près 194 000 de frais bancaires en moyenne dans une vie. Donc, il propose des trucs pour parasiter les banques, mais j'ai moins pris de notes, honnêtement, dans cette étape-là, à lire si vous le souhaitez. Je trouvais qu'il n'y avait aucun truc vraiment majeur, là, donc à vous de voir. Donc, il nommait, par exemple, investir dans les actions d'une banque. Ça peut être une piste, mais à vous de le lire si ça vous intéresse, mais pour moi, cette étape-là était moins essentielle vers la liberté financière. Enfin, l'étape 15, échapper au métro boulot dodo. Donc, il dit, quand vous êtes rendu là, vous avez juste maintenant à garder vos bonnes habitudes dans le temps. Donc, gardez la traque, ne pas vous faire influencer par les autres. Gardez votre sang-froid malgré les nouvelles de crise du marché boursier à chaque année. La richesse n'est pas déterminée par les performances des investissements, mais par les comportements de l'investisseur. Il dit de devenir sous-performant. On est tellement dans un rythme de sous-performance que même nos week-ends sont remplis, donc on se sent coupable les fins de semaine quand on fait rien avec les enfants ou qu'on va pas,
on va pas faire l'activité que tout le monde fait. Pourquoi pas juste rester à la maison, profiter de la piscine ou jouer à des jeux de société? Donc, il dit de ralentir le rythme, notre rythme de vie. À l'étape 15, ben, quand vous allez être rendu à la retraite, vous allez devoir décaisser, sortir de l'argent. Donc, c'est vraiment de changer la posture qu'on a. On arrête d'investir, mais on retire plutôt de l'argent. Je suis pas un expert dans le décaissement de la retraite. J'ai commencé à lire un peu sur ça dans des livres que j'ai lus plus récemment. Mais ici, je vous dis vraiment les propos de l'auteur. Donc, l'auteur dit que quand tu prends une retraite hâtive, tu as deux phases. La première phase, c'est la phase pour lui de 39 à 70 ans. Donc, il n'est pas encore rendu à 70 ans, mais il est encore dans la première phase. D'un point de vue individuel, il dit qu'il n'y a pas d'impôt à payer jusqu'à environ 13 000 $. Donc, c'est ses chiffres, j'ai pas vérifié. Donc, un couple pourrait retirer ensemble jusqu'à 26 000 $ sans rien payer en impôt. Donc, dans les étapes, ce qu'on va décaisser en premier, pour lui, la première chose qu'on considère comme un revenu dans ce 26 000 $-là, c'est les gains en dividendes ou en intérêts. Donc, la première source de revenus que vous allez avoir comme jeune retraité pour ne pas payer d'impôts, pour atteindre le 26 000 maximum, en fait, c'est que vous allez retirer chacun, en fait, comptabiliser plutôt les dividendes et les intérêts que vous avez gagnés au cours de l'année. Donc, exemple, si vous avez eu 5 000 $ de dividendes et d'intérêts ensemble, bien, vous avez 5 000 du 26 000 $ maximum que vous pouvez retirer sans payer d'impôts qui est déjà comblé. Le reste va provenir du REER ou des comptes non enregistrés. Donc, pour aller chercher le 21 000 qui reste pour ne pas payer d'impôts et aller chercher le maximum, vous allez retirer ça de votre REER ou de vos comptes non enregistrés. Enfin, si vous ne dépensez pas 26 000 $ dans l'année, ce qui me surprendrait, là, c'est, ce couple-là est très frugal, mais on n'est pas tous comme ça. Bien, si vous décaissez trop d'argent jusqu'au 26 000 $, donc vous dépensez seulement 23 000 $, on va dire, bien, le 3 000 $ qui reste pour être réinvesti dans vos CELI, vous n'avez payé aucun impôt en retirant seulement 26 000 $ dans votre année. Si vous n'êtes pas capable de vivre avec 26 000 $, ce qui devrait être le cas à votre retraite, bien, sachez que si vous retirez plus, c'est pas grave, vous allez payer une partie en impôts. L'objectif, bien, si vous retirez du REER, je veux dire, là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de retirer le montant minimum pour répondre à nos dépenses annuelles afin de payer le moins d'impôts possible. Lors de la phase 2, donc il dit qu'il est rendu à 70 ans jusqu'à la mort, bien, il va avoir le régime des rentes du Québec et la pension vieillesse qui vont être la première source de revenus. Donc, vous allez avoir dividendes, intérêts, RRQ et pension de vieillesse. Donc, ça va être les premières sources de revenus pour atteindre le montant que vous avez besoin. Ensuite, on fouille encore une fois dans REER parce qu'ils vont devenir un FER. Et en dernier lieu, on fouille dans le CELI. Donc, dans l'ordre qu'on doit décaisser à la retraite, je fais un petit résumé rapide avec mon non-expertise, là. D'abord, dividendes et intérêts. Ensuite, REER et ou compte non enregistré. Et à la fin, CELI. Et après 70 ans, c'est dividendes, intérêts, RRQ, pension de vieillesse. Et ensuite seulement, REER ou FER. Et en dernier lieu, encore une fois, le CELI. Quatrième élément de synthèse du livre, la vie à la retraite. Donc, l'auteur dit que le plus bel été de sa vie, ça a été son premier été à la retraite. Mais ensuite, il a senti un certain vertige de la liberté qu'il appelle. Il a eu besoin d'une certaine structure puis de s'accomplir parce que être juste à la retraite à maner, on a un sentiment comme être humain on veut sentir qu'on sert à quelque chose, on va dire, ou qu'on s'accomplit. Le luxe que ça lui a permis d'être à la retraite, il dit que ça lui a permis de s'intéresser à tout. Donc, souvent dans sa carrière, dans la vie active, on est très spécialisé. La retraite permet de voir qu'on connaît rien finalement puis qu'on a le temps de s'intéresser à plein de choses. Pendant la pandémie, ils ont perdu 30% de leur actif. Donc, théoriquement, ils étaient plus financièrement en retraite. Ils étaient plus libres financièrement, mais ils étaient préparés. Ils ont diminué leurs dépenses de luxe et ils avaient gardé 20% en liquidité pour pas gruger leurs actions en cas de crise. Donc, avec leur expérience qu'ils avaient vécue justement en 2008. Bon, je vois que ça fait déjà quand même une synthèse, je pense, qui va durer presque en haut de 50 minutes, assurément. Donc, je finis avec le dernier point, qui est les statistiques que j'ai trouvées intéressantes dans le livre que je vous résume ici, qui étaient faites un peu partout dans le livre. Donc, la première statistique, c'est 40% des travailleurs canadiens se sentent dépassés par leur taux d'endettement. 48% perdent le sommeil à cause de soucis financiers, c'est quand même presque la moitié. 35% dépensent toujours la totalité de leur salaire et même plus à chaque paye. 44% disent qu'ils auraient de la difficulté à respecter leurs obligations s'il y avait une paye de retard. 37% disent devoir retarder leur retraite sinon ils n'auront pas assez d'argent. Donc vous voyez que tout ça c'est une épidémie silencieuse, peu importe le niveau d'éducation ou de richesse, tout le monde. En fait, on voit que ces statistiques-là montrent qu'il y a la majorité, en fait une grande partie des Québécois ont des problèmes ou des inquiétudes financières.
Donc, tout ça, ces stats-là montrent que soit vous n'êtes pas tout seul dans votre situation, mais vous avez des trucs maintenant avec ce livre-là pour améliorer vos habitudes financières, ou si vous n'êtes pas dans ces statistiques-là, ben bravo, vous avez fait de bons choix financiers. Deuxième partie statistique, c'est l'auteur dit que si vous touchez un salaire annuel de 40 000 $ qui est le salaire moyen à peu près au Québec, vous êtes parmi les 4,1% les mieux rémunérés dans le monde. Donc, il y a 95,9% de la population qui pourrait vous critiquer aussi sévèrement que vous critiquez ceux qui sont plus prospères que vous. Est-ce que vous seriez riche sans le savoir? Probablement. Aussi, plus de la moitié des Québécois sont à 200 $ ou moins du seuil de l'insolvabilité. En 2017, le revenu brut moyen était de 41 000 $, les dépenses moyennes étaient de 54 000 $. Je suis pas un génie en maths, mais ça fonctionne pas selon moi. Le logement, c'est la plus grosse dépense avec une moyenne de 14 500 $ par année, le transport avec une moyenne de 10 200 $ par année et l'alimentation avec une moyenne de 7 800 $ comme dépense par année. D'autres statistiques, il en reste 2-3. Donc, l'avoir net des Québécois moyen en 2018. Les gens qui ont moins de 35 ans, leur actif net est d'environ 101 500 $ incluant maison, tout là, l'actif net. En moyenne, les Québécois entre 35 et 44 ans ont un actif net de 210 000 $ entre 45 et 54 ans, un actif net de 235 000 $ de 55 à 64 ans, un actif net d'environ 291 000 $ et à 65 ans et plus, un actif net de 311 000 $ environ. Ce que je trouve fou, c'est que ça représente à peu près la valeur d'une maison. Ça veut dire que l'actif net des Québécois repose en majorité sur leur maison et ou sur leur fonds de retraite au travail, leur fonds de pension. L'auteur dit qu'aux États-Unis, il y a 3 fois plus de millionnaires dans des maisons sous 300 000 $ qu'au-dessus d'un million. 62% ont des revenus sous les 100 000 $. Donc, ça montre que tu n'as pas besoin d'avoir un gros salaire pour atteindre un actif net intéressant. Moi, ces chiffres-là montent aussi, en fait, ça m'encourage. Je vois que les gens en haut de 65 ans et plus au Québec ont en moyenne un actif net de 311 000 $ alors que je suis déjà en haut de 500 000 $ Donc, c'est une petite tape dans le dos. Ça veut dire que moi et ma blonde, on fait quand même du beau boulot pour construire le patrimoine familial. Enfin, dernière statistique, le ratio d'endettement est passé de 105% à 175% depuis les années 2000. Donc, le taux d'endettement actuel est comparable à celui de la crise de 2008. Et le 3/4 de l'endettement des Québécois repose sur leur maison. Donc, en conclusion, nos actions sont grandement influencées par le regard des autres qui nous entourent. Nos habitudes de consommation n'y échappent pas. Donc, l'auteur utilise une citation de Fight Club. « Nous achetons des objets inutiles avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. » Donc, j'adore le film Fight Club et j'adore cette citation d'essayer d'impressionner des gens qui, finalement, on s'en fout un peu d'eux autres. L'auteur dit que chaque dépense, irréfléchie ajoute un barreau à votre prison financière. Les Québécois disposent de toutes les ressources financières nécessaires pour aspirer à une plus grande liberté. Il suffit de faire les bons choix et d'agir en conséquence. Le style d'écriture du livre est excellent, ça se lit très bien et je vous avouerai qu'il y a très peu de vide dans le texte. Des fois, je lis des livres puis il y a 2-3 chapitres qui sont pas intéressants. Ce livre-là, honnêtement, à part l'étape 14 que j'ai dit tantôt, j'ai pas mal pris des traces partout dans le texte. Finalement, alors que tout le monde veut devenir riche rapidement, la stratégie FIRE propose de devenir pauvre lentement. C'est bien que tout le monde ne pourrait pas vivre comme lui, ça fonctionnerait pas, comme tous les extrêmes dans la vie. Mais est-ce qu'on peut améliorer notre situation dans tout ce chaos de surconsommation et penser à vous avant de penser aux autres? C'est surprenant un peu, mais j'allais lire ce livre-là un petit peu à reculons. Et c'est probablement un de ceux, comme je disais au début, que j'ai trouvé le plus intéressant dans ceux que j'ai lus, même si j'ai lu plus tard puis que je cherchais pas nécessairement ce type d'information-là. Donc, je recommande assurément ce livre-là parce qu'il rentre facilement dans mon top 10 et il est pas mal proche du top 5 s'il est pas dans mon top 5. Donc, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là en gros? Cesser d'être une victime et prendre ses finances en main. Se fixer des objectifs smart. Remettre en question chacune de ses dépenses. Sous-consommer. Augmenter son taux d'épargne et investir. Maximiser les paradis fiscaux et atteindre sa liberté financière et non celle des autres. La semaine prochaine, tout comme lors de l'épisode 15, je vais faire la synthèse d'une vidéo YouTube de Ben Félix, soit de 2.7% Rules for the Retirement Spending, soit la règle du 2.7% pour le décaissement de la retraite. Cette synthèse va remettre justement en question la viabilité de la règle du 4% qui a été discutée aujourd'hui dans le livre de Jean-Sébastien Pilote. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast l'analyse de 3 autres compagnies en bourse, soit Intuit, INTU, Lam Research Corporation, LRCX
et Williams Sonoma WSM. L'épisode tire à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour $3,99 par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je ne suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.